J'ai très très envie depuis longtemps de modder la Mega Drive 2. On peut en faire la meilleure Mega Drive avec la meilleure qualité d'image, la meilleure qualité sonore et puis la possibilité de jouer à tous les jeux. Ok, on est parti pour le dernier mode. Et c'est peut-être le mode le plus important puisque ça va permettre de bypasser le son et l'audio pour avoir une qualité de son et d'audio supérieure sans parasite. Sans jailbar. C'est petit et contrairement à la première PCB qui est là, on va venir la brancher à l'arrière de la console. Alors j'aurais dû regarder avant comment on faisait ce mode puisque je me suis aperçu qu'il faut enlever pas mal de condensateurs. Hop, vous voyez, ça vous montre où on doit placer la puce. Alors le problème c'est que de base, ça, il n'y a pas la place. Il va aussi falloir que j'enlève toutes ces soudures là pour pouvoir la mettre. Alors j'ai regardé sur plusieurs schémas pour voir si ça coïncidait. C'est beaucoup mieux documenté que le premier mode qui était uniquement en russe, heureusement. Et voilà, une fois que c'est mis en place, voilà à quoi ça ressemble. Donc pas mal de câbles branchés directement à l'arrière. Même ces deux là on peut les faire passer en fait par une jointure à l'arrière. On n'est pas obligé de les faire passer dans le trou qui est là. Ça permet voilà, déjà parce qu'on avait déjà pas mal de câbles sur l'avant. Donc si on peut éviter d'en avoir plus, c'est pas plus mal. Donc je vais essayer de faire ça. Alors mon problème à moi c'est que sur ma révision de console il y a plein de trucs à l'arrière, dont ce condensateur et des câbles. Mais là, il va pas y avoir le choix, il va falloir tout virer. Les câbles qui sont là n'ont pas l'air franchement utiles, hein. En fait, ils font des jointures. Il va falloir par contre enlever et cut. Voilà, alors avant d'aller plus loin, j'ai envie de voir si la console marche toujours malgré ça. Ça a l'air de fonctionner. On peut continuer. Allez ben on va tenter comme ça et puis on verra bien hein. Écoutez, faut tenter des choses dans la vie. J'espère que ça fait bien contact avec tous les points, à ce que ça donne. Trois jointures en haut et puis les jointures là sur la sortie vidéo. J'espère que ça va marcher, écoutez. Hein. Ensuite, il y a d'autres petites manips relou à faire. Niveau des soudures, il me reste des résistances à virer. Thank you.
c'est ces pattes-là qu'il faut soulever ou coter. Donc c'est la deuxième, troisième et quatrième en partant de la droite. Je vérifie sur notre schéma, tu vois, pour voir si tout concorde. Mais oui, on voit bien là. Là, il n'y a pas de doute possible. On va garder celui-là, tiens. Voilà, et pour finir, on teste que ça marche bien. Ce que je peux dire, c'est que le stick Bluetooth fonctionne nickel pour l'instant. Et la manette a l'air de fonctionner aussi. Donc, a priori, on est bon, hein. On est bon, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Contrairement à l'Unimode, vous trouverez plein d'autres tutoriels, plein d'autres références concernant le Triple Bypass. J'espère quand même avoir suffisamment condensé, suffisamment expliqué pour que rien qu'avec cette vidéo, vous sachiez faire vous-même ce mode de A à Z. Je vous retrouve pour une quatrième et dernière vidéo où je vous montrerai vraiment, il manque quelques petites finitions pour avoir notre Mega Drive totalement opérationnel. Hein, elle est ici, elle est là.
avoir une qualité de son, d'image exceptionnelle, le switchless, le choix de l'overclock ou non, et aussi des réglages pour tout ce qui est upscaler, OSSC, M classique, et puis des effets post-process pour le streaming, si vous souhaitez streamer comme moi et avoir le rendu du live que vous avez pu constater la dernière fois. Moi, je trouve en tout cas ce sujet vraiment passionnant. J'ai été extrêmement heureux. Ben déjà, c'était un défi. Je ne savais pas si j'allais arriver à finir ce mode. Et puis, le finir et ensuite vous le partager, vous le faire découvrir, c'est quand même quelque chose. Donc, si ça vous a pris quelque chose, si vous avez été content de découvrir que vous comptiez réaliser vous-même ce mode ou non, lâchez un pouce, abonnez-vous, parce que ça va m'encourager à refaire d'autres vidéos du style. Et en attendant, je vous retrouve pour bien évidemment la dernière vidéo de ce mode, mais aussi des lives avec la console modée et le setup prêt. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, jouez bien, profitez de la vie, tout ça, et à très vite sur RetroBazook. Ciao, ciao.